N'est-ce pas, John? Oui, maman. Très bien. Neka. Maman. Sors de ma maison. Maman. Tais-toi. Mais je... Va-t'en. Sors d'ici. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu es un fou. Quoi? Tu es un vrai fou. Attends juste que ton père revienne. Excuse-moi, maman. John? John? Neka? John, je... S'il te plaît, écoute-moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Parce que je me suis laissé convaincre qu'elle allait changer. Ça suffit. Je suis aussi désolée, d'accord? Du moins, permets-moi de te ramener à la maison. Maman, ton visage n'a pas l'air de quelqu'un qui attend son mari. Ou bien papa ne rentre-t-il pas ce soir? John m'a énervée. Maman, c'est quoi? Caro, dis-moi. Comment est-ce qu'un jeune homme avec un background impeccable, un intellectuel, le fils d'un intellectuel, peut-il tomber stupidement amoureux si bas d'une fille de ménage, une orpheline sans aucune forme d'éducation? Maman, que s'est-il passé? John a amené Inika ici pour essayer de me convaincre d'accepter leur stupide relation et que je devrais les aider à convaincre également votre père. Peux-tu imaginer cela? Oh Dieu, papa doit être en colère. En effet, votre père doit devenir fou. Après tout ce qu'il a fait pour chasser John derrière Eneka, votre père a peine sorti du pays, il est reparti vers elle. Pourquoi ne dois-tu pas être fâché? Il doit être fâché. En effet, il doit se fâcher. Papa, bonsoir, bonne arrivée. Chérie, bonne arrivée. Comment s'est passé le voyage? Oh, ça s'est bien passé. Bienvenue. Tu étais en train de crier. Il y a quoi? Chérie, c'est rien. Pourquoi ne pas prendre une douche et manger avant que nous en parlions? J'ai posé une question. C'est à propos de John. Qu'est-ce qu'il y a avec John? Écoute. Arrête de parler ainsi, s'il te plaît. Non, stop. Ne me comprends pas mal. Bien, tu sais que mon cœur t'appartient. Je sais. Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu as trop souffert à cause de ça. Pourquoi? De ce que nous partageons. Ta famille t'a tout refusé, y compris les clés de ta voiture, à cause de moi. Je m'en fous. Ce n'est même pas important à mes yeux. Tu sais que tu es ce que j'ai de plus cher. Je ne mérite pas toutes ces souffrances, Tom. Je ne le mérite pas. Qui a dit ça? Nous appartenons à deux mondes différents. Toi, tu es écrivain. Et puis? Tu es le fils d'un écrivain et réalisateur de films. Et puis quoi? Ta mère est docteur en médecine. Et moi? Je ne connais même pas où se trouvent mes parents. Ça ne fait rien. Dis-moi. John, je n'ai rien à t'offrir. Absolument rien. À part mon amour. Ça se présente par rapport à toutes ces souffrances que tu as endurées à cause de moi. Écoute, ton amour est plus important que toute autre chose. En ce qui me concerne, tout peut s'en aller à condition que je t'aime. Parce que nous pouvons tout reconstruire. D'accord? Excuse-moi. Oui, papa. Oui, papa. Je suis avec elle. Maintenant? D'accord, papa. D'accord. D'accord, merci, papa. Bye. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne peux pas croire ça. Mon père vient juste d'appeler que nous devons rentrer à la maison tous les deux. Cela n'est pas possible, non? Quoi?
Je ne peux pas aller avec toi, je suis désolée. Nous allons partir ensemble. Non, John, je ne peux pas aller avec toi. Chérie, non. Partout où j'irai, tu iras aussi. D'accord? On va ensemble. D'accord? Allons-y. Neka! Neka, où vas-tu? John et moi retournons à la maison. Pourquoi? Je ne pense pas que cela soit sage. Pas avec tout ce que vous aviez vécu là-bas. Son père vient de nous convoquer. Jésus-Christ, là ça aggrave plutôt les choses. Écoute, je ne peux pas le désobéir. Je dois partir. Ça c'est vrai. John, tes parents sont des gens bien. Et ça je le sais. Ils sont très ouverts. S'il te plaît, prends bien soin d'elles. Je te le promets. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Je sais. À ton retour. Papa, bonsoir. Bonsoir, maman. L'on est arrivé, bonsoir, mon fils. Monsieur. Bonsoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Caro? Oui, papa. S'il te plaît, éteins la télévision. Papa, comment était ton voyage? Bien, très bien. J'ai quelque chose à dire à chacun ici présent. C'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué à deux. Lorsque j'ai appris ce qui s'est passé ici à mon absence. Chacun peut poser des questions. Mais lorsque j'aurai terminé. Nweka. Monsieur. Tu as grandi dans cette maison. Donc pour cela, tu n'as pas besoin qu'on te dise ce qu'il faut faire comme travail dans la vie. La semaine passée, j'ai été commissionné par le Nana Bonosso, le roi des peuples Aga du Ghana, pour écrire un scénario et réaliser le film « L'histoire concernant leur famille ». À présent, je veux que vous m'écoutez et m'écoutez attentivement. Je l'espère bien. Je suis une adulte et j'espère que j'ai le droit de prendre mes propres décisions. Je ne dois pas me comporter par contrainte ni par la force. Écoute un peu comment tu parles. Folle. Merci maman, mais je préfère être une folle disciplinée qu'une stupide folle. C'est quoi même? C'est quoi? Je peux pas me marier à un homme de mon choix ou quoi? À cause de la royauté? Rihanna, tu es une princesse. Rihanna, tu es une princesse. Quelle différence y a-t-il entre moi et les autres filles? J'en ai marre et je suis profondément fatiguée et irritée pour votre orgueil. Rihanna, tu t'adresses à moi? Ta mère avec un ton si violent? Que t'arrive-t-il? Est-il devenu un crime pour une mère de souhaiter le meilleur pour sa seule fille dans sa vie? Eh bien, tu ne peux pas changer ton destin. Rihanna, tu dois épouser le prince. Je ne veux pas. Tu dois. Je ne veux pas. Tu dois. Je ne veux pas. Et je jure, avec la dernière goutte de mon sang, que le prince ne verra jamais, jamais ma nudité. Excuse-moi. Rihanna. 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 Echo, où es-tu? Echo! Echo! Oui, madame. Ouvre ce portail. Dépêche-toi. Hé, hey, arrête-toi! Echo! N'ouvre pas ce portail. Oui, madame. Maman, c'est quoi? Tu me fais quoi au juste? N'ai-je plus droit à ma liberté? Maintenant, Echo, ouvre ce portail, sinon... Sinon quoi? Toi, rassure-toi de ne pas ouvrir ce portail. D'accord. Vous ne pouvez pas sortir. Wow, dégage! Mmh.
Bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Viens, viens, viens. Ça suffit, viens. Assis-toi. Tu dois t'asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Béni, tu m'aimes, n'est-ce pas? Bien sûr. Es-tu sûr? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère continue d'insister pour que je me marie au prince. Rien ne semble aller en notre faveur. Les choses ne marchent pas normalement. Rien. Qu'as-tu décidé? Non, en effet, je ne l'aime pas. Je t'aime. Je t'aime. Ça suffit. Ça suffit. Ça va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je t'aime, bébé. Moi aussi. C'est bon. Ça va. Ça va. Bonsoir, maman. Rihanna. D'où viens-tu? Je m'adresse à toi, Rihanna. D'où est-ce que tu viens? De chez un ami. Quel ami? Mais maman, pourquoi continues-tu de me rendre la vie aussi difficile dans cette maison? Dis-moi, si tu veux que je parte, je le ferai. Tu me déçois beaucoup. Tu n'apportes rien, si ce n'est la honte, dans cette famille. Merci, maman. Je ferai comme bon me semble désormais. Écoute, tu ne feras pas comme bon te semble. Tu crois ça? Je sais ça. Mais maman, pourquoi empêches-tu ma joie? Pourquoi? Parce que c'est évident, tu ne sais pas ce que tu veux. Ce que tu es en train de fuir, c'est ce que n'importe quelle femme se tuerait pour avoir. Pourquoi te dérobes-tu à ton destin? Tu ne feras que le retarder. Mais tu ne pourras pas le changer. Rihanna, tu es destinée à être une reine. Je ne l'aime pas. Et je ne me vois pas en train de l'aimer, même dans le futur. Tu apprendras à l'aimer. Je pense qu'il a tout ce qu'une femme aimerait avoir en un homme. Il est réputé, riche et charismatique. Il est chiant et beau. Pour tout couronner, il sera le prochain roi de notre contrée. Et tu deviendras la reine. Et qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais être la prochaine reine pour passer le reste de ma vie avec les traditionalistes? Tu n'as aucun choix, ma chère. Ils sont la base de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Il est temps pour nous de payer. Et le prix à payer, c'est moi? Mon avenir? Ma vie? Ma joie? Je le jure. Vous n'aurez pas ça. And it's contagious. What's the latest? Speak your heart. Don't bite your tongue. Don't get it twisted. Don't misuse it. What's your problem? Let's resolve. Salut. Le ciel a décidé de te sourire ce jour. Me sourire? Le prince Idoussou veut te voir maintenant. Pourquoi? Où est-il? Dans sa voiture royale. Écoutez, dites au prince que s'il est vraiment très sérieux de me voir,
Dites-lui de descendre de cette voiture royale pour venir me voir. D'ailleurs, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais même pas. C'est du prince que tu t'adresses ainsi. Un homme qui peut changer ta vie en un rien. Je te conseille de faire bon usage de cette bonne opportunité. Si tu veux progresser dans ta vie. Regarde-moi très, très bien. Très bien. Est-ce que je ressemble à une pauvre selon toi? Dites au prince que je ne suis pas un morceau de canne à sucre, ok? Veux-tu venir avec moi ou non? Dites au prince que je ne suis pas un morceau de canne à sucre, ok? Par ici, mon prince. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? La question devait être, en quoi le prince peut-il t'aider? Quel est ton nom? Clara. Clara, d'accord. Je voudrais que tu ajournes tout ce que tu as à faire et que tu m'accompagnes dans ma salle de repos pendant 30 minutes. Et par ailleurs, si tu es une bonne fille, tu deviendras riche de 1 000 $. Excusez-moi, monsieur, mais je ne suis pas une prostituée. Je me sens vraiment insultée. Ah. D'accord, je suis désolée. Que penses-tu de 1 500 $? J'ai dit que je ne suis pas une prostituée. Voilà ce que j'ai dit. D'accord. 2 000 $. Vous m'avez vraiment tenté, voyez-vous? Vous m'avez vraiment tenté. Eh bien, je n'ai fait que des offres. Ah, qu'est-ce que j'ai à perdre? Situation got a big bubbling in jeans. I see you sipping on pussy, about to get pissy. Heading back to the hizzy with my dizzy. Girl, I like it when you shake your hips. I love it when you lick your lips. Targeting in my niggas cause we sexy with cash. Plus a Bentley in the six is a thing of the past. I know what we came here to do. Give me the number. Écoute, merci. J'aime Benny. Je l'aime de tout mon cœur. Je crois qu'on doit te laisser suivre ton cœur. Pourquoi devrions-nous suivre des choses comme l'argent, les titres, ainsi de suite? L'amour dont on parle est un vrai secret. Mais ma mère ne comprend pas ça. Pour le moment, il n'y a pas de paix à la maison. Elle a catégoriquement refusé de raisonner avec moi. Mais qu'est-ce que c'est que la royauté de toutes les façons? C'est le respect, le respect. Et je sais que Benny est financièrement stable pour pouvoir prendre soin de toi. Alors, quel est le problème? Quelle journée fatigante. Mercedes, tu peux m'aider à enlever mes chaussures? Je crois que tu as oublié quelque chose dehors. Quelque chose comme quoi? Comme tes comportements. Dois-je prendre cela pour une insulte? Quelque chose comme ça. Et peut-elle dire cela à une grande sœur? Fox, s'il te plaît, nous ne sommes pas ici pour des immesurables blagues. Il y a des choses plus importantes à faire ici. Des choses importantes comme quoi? Si ce n'est la mère de Rihanna, le prince et le soi-disant Benny. Pardon, appelons les choses par leur nom. Et de quoi s'agit-il? Des futilités. Tout ceci n'est que futilité. Écoutez, nous toutes ici présentes avons accepté que Benny est notre ami. Mais nous sommes en train de parler du prince. Le gars que chaque femme de la ville meurt d'envie d'avoir. Cet homme est beau, sexy et l'argent coule partout où il va. Si elle veut rester avec son débrouillard de Benny, c'est son problème. Foxy, c'est ça ce que tu appelles l'amour? Ma chérie, l'amour n'existe pas lorsqu'on y voit quelque chose pour lequel on peut mourir. Je suis d'une bonne famille et je mérite d'avoir un homme riche de mon niveau. Pas de sentiments pour rien au monde. Foxy, tu n'as réellement pas de conscience. Écoute, Mercedes, voici ce que je n'aime pas. Tu veux nous faire croire maintenant, aujourd'hui, que c'était toi que le prince voulait? Tu n'allais pas courir sans hésiter te mettre dans ses bras? Je vais me changer.
You got some bomb ass pussy. Bomb. I know you got the bomb. Pussy. What you doing? I'm chilling at the Holiday Inn. Me and my peeps, won't you bring four of your friends? Feel on each other and sip on some hen. One thing leading to another, let the party begin. What you doing? I'm chilling at the Holiday Inn. Me and my peeps, won't you bring four of your friends? Feel on each other and sip on some hen. One thing leading to another, let the party begin. Je suis ta mère. Et je sais ce qui est mieux pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La plupart des filles donneraient n'importe quoi pour avoir le prince comme époux. Et toi, le voici sur un plateau d'or et tu n'es même pas sûre de ce que tu veux. Maman, j'apprécie tes efforts de m'aider à me marier dans la famille royale. Mais maman, c'est révolu l'époque où on arrangeait les mariages. Nous sommes au temps moderne. Par ailleurs, je ne l'aime même pas. Tais-toi! Que sais-tu de l'amour? Si tu sais ce qui est bon pour toi, va appeler le prince et entendez-vous dès maintenant. Je croyais avant que tu l'appréciais. Oui, jusqu'à ce que je découvre ce qu'il est réellement. Mais il n'est pas aussi mauvais comme tu le penses. Sois juste patiente avec lui et tu essaies de mieux le comprendre. À présent, cesse de te plaindre. Et sois une bonne fille, d'accord? Je ne veux plus l'entendre dire que tu l'as encore évité, d'accord? D'accord. Bien. Merci. Hey, c'est comment? Tu ne pars pas au boulot? Non. Non? Que se passe-t-il?